De retour après le son d'AMC, MC. On a un petit problème de caméra, mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. C'est voilà, ça. C'est les aléas du direct. C'est l'indépendant. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'était super intéressant ce que tu as développé. J'ai envie de revenir dessus, ce que tu développais. Est-ce que tu t'en rappelles justement? Ouais, sur les carrières, ils me disent que. J'étais en train de balancer un pavé dans la mare et ils m'ont coupé dans mon élan. Il y a une page de pub. Il fallait la mettre. La question de Kobe, c'était est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une vraie carrière? Bah, là, en off, en plus, je parlais avec le mec, il parlait de. Da vodka. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Artiste du 18ème arrondissement. Ah, ok. Un peu type. Je sais pas si tu connais les types Hugo TSR, tout ça. Toujours un peu les graffeurs qui rappent, un peu toute cette vague là. Il parlait de Hugo TSR aussi. Okay. Il disait, ils ont les temps de faire une carrière, il disait. Mais par exemple, un Nekfeu, par exemple, son projet, le premier projet. Bon. Non, l'autre. Avec les Jiri et tout. Feu. Feu. Ouais. Ça a été beaucoup critiqué parce que c'était Nekfeu, mais c'est un projet. C'est un classique. Pour moi, c'est un classique de Nekfeu. Il a été critiqué, ça ? Non, pas critiqué, mais les gens disent ouais, mais c'est pas vraiment du rap de. Tu vois, parce du quartier, que, machin. Mais... t'es fou. Cousin, si t'écoutes du rap, t'écoutes ça, tu dis c'est pas du rap. C'est pas un pur projet. Tu connais rien. Il est très très fort. Même si. Il n'a pas eu besoin de faire le voyou pour sortir un vrai projet rap et c'est archi lourd. Ah oui. Mais après, il faut voir la culture du mec aussi. Mmh. Vraiment, quand il a fait le clip avec le pull de Ghetto Fab, j'ai trouvé ça super fort. Mmh. Parce que c'est pas un mec, entre guillemets, qui est issu de ça, mais lui-même est fier de mettre un truc. Je sais pas comment t'expliquer. Nekfeu, il a compris le rap. Mmh. Il a compris le mouvement rap, tu vois. Tu vois, c'est. Par exemple, moi, je pense que lui, il pourra faire une grande carrière. Mais après, sur les. Il va la faire, t'inquiète même pas pour lui. Dans le cinéma, dans le rap. Ah ouais, c'est vrai. Il fait partie des mecs importés. Il a une vraie fanbase. Il fait partie du cercle fermé des gens qui ont fait Bercy. Faut pas s'inquiéter pour lui. Et ouais, le pavé dans la mare, tu mais je m'en rappelle plus, j'ai perdu le fil. On parlait de longévité de carrière. J'étais en train de dire un truc super intéressant, mais à part si le caméraman peut appuyer sur retour, mais je m'en rappelle plus. Ça va être dur. C'est pas grave, on va rebondir sur autre chose. Ouais, on va rebondir sur Masta EX, c'est ça qu'on dit? Ah, Masta X. Killuminati. SMG. Ouais. Qui a clashé récemment, Rof ou... C'est plutôt Rof, ouais. Rof qui l'a clashé. Ouais. Hein? Ben écoute, ça va être très simple. Le gars a dû faire, je sais pas, peut-être 50 ou 60 vidéos. J'ai jamais regardé une de ces vidéos. Mais le mec marche, hein. J'ai vu peut-être 30 secondes d'une vidéo qu'il avait faite sur Alonso, mais moi je t'ai dit, les trucs qui m'intéressent pas, je regarde pas, même pas par curiosité, ouais, ça me parle pas, donc je pourrais pas te donner un avis objectif. Je sais qu'il voit des Illuminati partout, mais c'est tout ce que je sais. Je sais pas, il est où, moi. Franchement, c'est ce que j'en pense. Illuminati, je pense, c'est un mec normal. Il a commencé à faire une vidéo comme ça, il a vu que ça marchait. Et je pense qu'il s'est engouffré dans la brèche. Il a écrit un bouquin. Parce qu'il est. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est ça, tu vois. C'est que moi, des fois, je vais regarder ce qu'il fait. Et je regarde plus les commentaires. Parce que si tu fais des vues, c'est que forcément, il y a débat ou autre. Ou tu dis peut-être qu'il fait des vues, mais dans les commentaires, il y a des débats négatifs, tu vois. Mais il y a énormément. C'est là que tu te rends compte que quand t'es jeune. C'est pour ça Internet, ça reste dangereux. Quand t'es jeune, tu peux. T'es facilement embobinable, enfin, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'ils doivent être des adolescentes qui adhèrent à son discours. Vraiment. Après, certainement. Mais Sotakarov, c'est juste purement pour le après, buzz. Hein. Après, moi, ce que je trouve. Les mecs, en tout cas, qui sont chargés de la communication de Rof, pour moi, c'était bête de déterrer un sujet qu'il a fait pendant je sais pas combien de temps et le remettre au goût du jour. Tu vois. C'était ça, peut-être, l'erreur qu'ils ont fait. Tu vois. Parce qu'il n'y avait pas lieu d'être de se pencher sur ça. Tu vois. Je sais pas, en fait, ça servait à quoi, en fait, de. Fallait même pas en parler, en fait, fallait ignorer ce truc-là. Tu vois. Le fait d'avoir déterré a refait de la polémique, lui. Sinon, le truc qu'il avait tourné, il y avait genre peut-être 6 mois ou 8 mois avant, tu vois. Et Illuminati, il dit 3 ans, lui. Ouais, ben voilà, un truc de ouf, je sais que ça fait longtemps, tu vois. Mais après, Illuminati, tu vois, le truc de conspiration, moi, je sais pas. Je valide Illuminati, tu vois, je dis pas ça, tu vois. Mais s'il n'y a pas un minimum de. C'est pas de conspiration, mais s'il n'y a pas un minimum de. Genre, chaque fois que tu fais quelque chose, si t'en parles pas avant. Je sais pas si c'est vraiment de la conspiration, c'est préparer un projet. Et lui, peut-être qu'il dénonce ça, tu vois. C'est pas vraiment de la conspiration, mais au moins quand t'as un visuel de clip ou machin truc, et qu'il y a des trucs qui se répètent aussi dans le clip de rap français. Par exemple, moi, je regarde ses contenus. Par exemple, quand il parle de la meuf avec la robe rouge, c'est vrai qu'on voit toujours une meuf avec une robe rouge. On sait pas ça signifie quoi, tu vois.
dans tous les clips, tu vois. Dans tout, Bella, ouais, mais c'est le coup. Bella. T'as vu. Non, désolé, mais c'est vrai. C'est con de dire ça. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais ces meufs-là, elle est tout en présente. Ouais, mais Adam, c'est con, mais. Ouais, mais là. Qu'est-ce qu'elle fout là, ouais, mais non. Mais ça, c'est juste. Justement, c'est ce qu'on appelle la propagande. Lui, il a compris ça. Ce qui fait que c'est comme toi, demain, tu vas être là, tu vas dire regarde les triangles. Tu vas faire que. Tu vas, regarder, tu vas prendre une bouteille de n'importe quelle marque de soda, et tu vas trouver, tu vas réussir à trouver une marque d'une enseigne, tu vas réussir à trouver le truc. C'est juste ça, c'est juste après ça te crée dans, ça, tu rentres dans une paranoïa. Oui. Tu sais, lui je pense, il a juste trop regardé de vidéos avec, avec la musique de la fin. Mais là, c'est genre de, non mais regarde, regarde. Ouais mais par exemple, et peut-être que les mecs aussi, les artistes ont compris ce truc là, et peut-être qu'ils en jouent pas aussi, pour que des mecs comme ça relayent ce truc là. Peut-être que tu dis, ah, mais tout le monde pense. Je pense pas. Ah ouais? Mais si, ah, moi, je sais pas. Moi, je te dis, honnêtement, il y a des trucs. Il y a une année où le rap américain, justement, a surfé sur cette polémique-là, ouais, des Illuminati. Mais je me souviens que même un Common, il a fait une pochette d'album et t'as l'impression, le mec, il est avec le triangle, tu vois. Tu vois, c'est peut-être. C'est parce que... Mais en France, je pense pas. Que... Franchement, ce serait triste hein, si un rappeur, il fait un peu cli en se disant, bon, là. À 1 minute 58, je vais mettre ça parce que peut-être potentiellement qu'Illuminati pourrait en parler. Bah, franchement, c'est triste. Hein. Pardon, mais à un moment, je sais qu'il y avait une vidéo, ils avaient triste, fait le décryptage du clip de Caris. C'était hors noir. Et tu trouvais plein de trucs sur les plaques, sur les machins, les trucs. Mais les mecs qui prennent les plaques et qui les foutent là, ils disent, bah, à un moment, il y a un mec qui va se pencher dessus, il va capter plein de trucs, il va en parler. Et c'est ça qui va faire de la promo du clip. Parce que tout le monde va aller le regarder. Et peut-être, moi, je me dis, peut-être qu'ils en jouent aussi. Du délire, même si personne n'y. Même si tu crois ou tu crois pas. Pas forcément, après ça peut être juste de la provoque, c'est tout. Mais c'est ça, mais la provoque ça fait parler. Après, Illuminati s'arrête. Moi je trouve qu'il s'arrête beaucoup sur les paroles. Hein. Donc du coup, je trouve qu'il s'arrête plus sur les paroles qu'il s'arrête sur les clips. Hein. Parce qu'il va pouvoir te trouver un clip street. Par exemple, la dernière chronique qu'il a fait, c'est Loup-Garou. C'est de l'ego trip, mec. Arrive à un moment donné. C'est pour ça que je dis, c'est le public jeune qui tombe dans le panneau. Mmh. C'est de l'ego trip. Et lui, dans l'ego trip, il va toujours trop, il va isoler, sortir des phrases de leur contexte. Il a une démarche journalistique finalement. Mmh. Comme tu dis, tu as les petits racoleurs, il fait que ça. Il prend des trucs, il les sort de leur contexte, il dit ok. Ça, après, il s'est documenté vite fait. Hop. Et il prend des références sur la franc-maçonnerie. Il dit oui, ils appartiennent à cette branche-là, machin, nanana. Mmh. Et t'as l'impression, le truc, il est. Le mec, t'as l'impression qu'il a du fond, qu'il est grave documenté et tout. Mais en vrai. Mmh. Ouais, moi je pense que c'est un mec qui fait ça pour le buzz. Après peut-être qu'il y croit à son buzz. Ça, on sait jamais, tu vois. On peut mais Mao, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que t'aimes bien poser des questions, mais on sait jamais ce que tu penses. Toi. C'est vrai, hein? Ouais, Mao, ouais. Moi, ce que j'en pense, moi. J'en pense quoi, moi? Non, moi j'en pense juste la vérité avec Illuminati, tous ces conneries là. Fuck you, quoi. Pour moi, je sais pas, j'en pense rien parce que. Moi, j'ai pas envie de dire, j'y crois pas, tu vois, au Illuminati, la franc-maçonnerie, toutes ces conneries-là, parce que j'en ai rien à battre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'aimerais dire un message aux jeunes. Croyez pas que c'est des. L'échelle où sont les rappeurs français, si on parle que du rap français, ils sont pas assez hauts pour être entre guillemets dans ces stades de haute échelle ou je ne sais quoi. Je pense faut que les jeunes ils comprennent ça, juste ça par contre. Peut-être les gens, il y a de la provoque ou ce que tu veux, mais alors, niveau à eux. Ils ont pas le niveau. Quand les mecs parlent des complots franc-maçonniques ou autres, c'est les 1%. On parle des 1% que les gens se mettent bien ça dans la tête. On parle des 1% de ceux qui détiennent 90% de la richesse mondiale. Donc du coup, faut pas tomber dans le. Je pense faut pas tomber dans le panneau, c'est tout. Hein. Ouais, c'est faut que c'est compliqué avant tard. Rebondissons sur un autre sujet. Je propose. Et qu'est-ce que tu penses du game en général donc? Bah écoute, hein, moi comme je t'ai dit, j'aime beaucoup le hip-hop, il se passe de belles choses, après tout reste à faire, malgré tout, tout reste à faire, bon il évolue bien, mais tout reste à faire, comme on parlait dans la voiture hors antenne, par exemple une thématique aussi que j'avais développée dans mes vidéos, tu vois par exemple aux États-Unis, et je te parle ça, à l'époque il y avait un truc qui s'appelait le Rock Army Tour, tu vois. Et les rappeurs, t'avais des Jay-Z qui faisaient des grandes tournées de tous les stades aux États-Unis avec des 50 Cent, des Fabulous, des Busta Rhymes. Et pour le coup, ils mettaient leur ego de côté pour faire du business ensemble. Mm. Est-ce que ce serait pas fantastique qu'en France, t'aies une tournée, j'en sais rien moi, Caris, Booba, Rof, Lacrim, Alonso.
Ouais, non, mais Urban Peace, c'était bien entre guillemets, mais c'était statique, tu vois. Mais là, c'était carrément des trucs où il faisait tous les. Voilà. Et Urban Peace, c'était plus un truc entre guillemets étiqueté Skyrock, c'était pas les rappeurs eux-mêmes de leur propre chef qui essayaient de. Et l'époque Time Bomb. Hein. Attends, il y en a un, il a essayé de le faire, non? Ouais, mais l'époque Time Bomb. Ouais. Il y avait le concept des tournées à cette époque. Oui, mais aussi. Non, mais je te parle pas d'un truc où c'est une écurie. Là, je te parle de mélanger les que la crime parte en tournée avec Damso et Vald et ceci et cela. Moi, je te parle dans ce sens-là. Ouais. Et moi, je trouve qu'en France, tout reste à faire. Ça veut dire que ça évolue bien, mais on a quand même toujours 10 ans de retard comparé aux États-Unis. Moi, je pense que ça va pas trop tarder, parce qu'en ce moment, dans ce type de. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de futurs en ce moment. Je suis pas sûr, parce que en tout cas, aux États-Unis, ils ont compris que des fois, il valait mettre son ego de côté et qu'on pouvait se mélanger et qu'on pouvait faire des featuring et compagnie. Mais en France, pour l'instant, entre guillemets, il y a quand même encore beaucoup de guéguerre de ouais, non, tu fais partie du 9 de I, tu peux pas aller là-bas. Oui. Et toi, tu viens du 93, alors faut pas que tu fasses un feat avec le mec du 92. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est dommage. Mais comment il a réussi alors, 50K? Il a centralisé en fait. Ouais, non, mais là, c'est tout autre chose. Mmh. Et ce qu'il a fait, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Faire une compile avec plein de rappeurs, c'est. Ouais, mais ça se faisait très rarement. Là, tu vois, là, c'est. Il a pris que du. Il a pris que la high level, là, non? Dans le game, tu vois. Ouais, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Il n'y a rien de nouveau. Mais ça se faisait plus, tu vois. C'est quand la dernière que. Je me rappelle même plus, c'était quand la dernière grosse compile. Enfin, grosse compile, je sais pas, mais c'est pas si on peut dire ça comme ça. Oh, c'est au style 2006, hein. Tu vois? Tu vois où il y avait pas vraiment des mecs qui sont dans le game. Bah, même ça, ça se fait plus trop. OneBeat, c'était avant, je crois. Ouais, c'était plus récent que. OneBeat, c'était archivé. Ça fait longtemps. OneBeat, c'était avant, je crois que c'était avant au style 2006. Non, c'est dans la même période. OneBeat, c'était lourd de ouf. Ouais, bah, ce délire. Ça s'est perdu, moi, j'ai envie de dire, non? Perdu ouais, voilà, de toute façon, voilà, comme je t'ai dit, aux États-Unis, tout le monde collabore avec tout le monde. Ouais. Et il y a un mec comme Didier Khaled qui arrive à faire des trucs de. Voilà, le rap, il a une vraie considération, ça fait partie intégrante de la culture. Exactement. Tandis qu'ici, il y a toujours ce mépris, cette méconnaissance, on avance petit à petit. Ça évolue, mais ça pourrait être encore mieux. Ça évolue quand même, hein. Il y a des rappeurs qui se placent dans des films, il se passe des trucs, mais moi je pense qu'on a toujours 10 ans de retard et tout reste à faire. Je suis en demi-teinte sur ton. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que. Tu vois, même moi je trouve même les carrés, il y a encore des. Pas des défauts, mais il y a quand même toujours des clashs. Et quand ils travaillent. Et c'est juste eux qui ont passé la barrière de. Même si je t'aime pas. Je sais que notre musique, on va faire un featuring ensemble, ça va fonctionner. Mais ils ont passé ce cap-là parce qu'il y en a plein, ils s'aiment pas. Ils viennent poser ensemble, après ils repartent comme au boulot, quoi. Oui, tu vois, mais justement, tu viens de mettre la lumière et c'est exactement ça. Ouais. Eux, ils ont compris. Tandis qu'en France, Booba ne refera plus jamais de featuring avec Kaaris. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont compris que pour faire du business et pour truquer, pendant l'espace d'une tournée, d'un morceau, d'un film, tout ça, on peut mettre notre ego de côté, faire du business ensemble, et après chacun retourne à ses occupations. Honnêtement, j'attends toujours le featuring entre 50 Cent et Rick Ross. Ça, pour le coup, je sais pas s'il arrivera un jour, mais du coup, tout cas, je pense qu'ils ont moins de problèmes d'ego qu'en France, en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont moins de problèmes d'ego qu'en France. Non, mais après, c'est pas peut-être juste au niveau de. Bah, la comparaison des deux pays, c'est pas. L'Américain ne vit pas pareil qu'un Français, tu vois. Comme ils ont pas de dette sociale, tous ces trucs-là, ils se débrouillent pour faire de l'argent. C'est-à-dire, pour eux, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont une facilité peut-être à faire du business qu'en France. Est-ce qu'on aurait dû. On aurait dû juste, en fait, prendre des bases du rap, mais s'inspirer de notre. Entre guillemets, notre sociologie à nous, tu vois. Mais pas forcément vouloir caler sur la culture américaine, qui est culture même anglo-saxonne, qui est complètement différente de la culture latine, puisque finalement on est français, on est dans la culture latine, tu vois, qui est pas pareil. Est-ce que justement il y a 10 ans de retard faut qu'on soit comme les Américains, qu'on ait le même modèle, tu vois, et comme finalement on les prend beaucoup comme modèle, comme c'est quand même c'est la source, quoi, tu vois. Est-ce que justement il y a peut-être ça qui nous pose problème aussi? Ben, je sais pas, après t'as vu, c'est la source, hein, c'est la maison mère, donc vu qu'on s'inspire de ce qu'il y a de mieux outre-Atlantique,
notamment les États-Unis. Ouais, je sais pas, après on peut peut-être ramener une French touch, mais au final, de toute façon, tout ce qu'on fait, le textile, le cinéma, tout ça, ça vient de là-bas. Hein. C'est pas nous qui avons influencé les États-Unis, tu vois. Donc après, ouais, peut-être on peut ramener une autre sauce. C'est dans la mode, les Moi, je trouve dans la mode, tu es grave. Ils sont grave, justement, ils sont grave influencés par l'Europe maintenant. Parce qu'il y avait un carré qui disait ça, qui disait genre par rapport au sap, la mode européenne et même les voitures. Parce qu'ils sont tous des Mercedes. Ils disent, moi, je comprends pas pourquoi vous kiffez ce que nous on a. Alors que vous avez tout en fait, ouais. Même l'architecture. Parce que moi j'ai déjà voyagé, moi j'ai déjà voyagé aux États-Unis. Je te jure que l'architecture française, tu vois, en Europe, c'est un truc de malade. Tu sais, là-bas, il y a que des buildings, ouais, c'est préfet. Il y a rien de déceptionnel, tu vois. Mais en France, tu as une histoire, il y a un truc, ils ont envie ce truc-là. Et nous-mêmes, on n'exploite pas ça, tu vois. Mais après, le rap français, je sais qu'il avait une couleur. À un moment, même les carrés disaient que le rap français avait une couleur. J'ai l'impression que c'est pas ça se perd de moins en moins. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce truc-là de rap français. Et le dernier à l'avoir fait un petit peu, c'est Rémi, on dirait, tu vois. Du rap français, quoi. Du. Je sais pas comment. La rapée. Ouais, la rapée. Mais Nekfeu, par exemple, il le fait bien aussi. Et encore, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'au final, j'avais fait une interview il y a très longtemps avec Matthew Stone et il avait mis le doigt dessus et ça m'avait fait rigoler. Parce qu'au final, comme tu dis, les Louis Vuitton, les. En sap haut de gamme et grand luxe, voilà. Et le chant de Gucci Gang, tout ça, tu vois. Voilà, et au final, comme il disait, on a des marques françaises de qualité. Et Matthew Stone disait, et je te parle de cette interview, elle a presque 10 ans, il disait, on a attendu que les Quinry mettent du Louis Vuitton dans leur clip pour nous le faire alors que ça vient de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'ai dit, ils ont toujours 10 ans d'avance. Franchement, je sais pas à quel level on les a influencés, mais tu sais, ça vient de là-bas, c'est les rois, c'est... C'est là-bas que c'est parti, donc je pense pas qu'on puisse les influencer à... Je sais pas, à part si on sort du rap camembert ou rap baguette. Non, je te parlais pas dans la... Moi, je parlais pas dans la... C'est vrai que t'as dit... Je parlais pas du tout dans la musique, dans le sens où, où les rappeurs américains sont inspirés du style vestimentaire des rappeurs français, qui est encore du travail d'ailleurs. Mais sur entre guillemets, la mode européenne, en fait, par là, en fait... Je te parle même pas de niveau rap, c'est... Il y a beaucoup de... Par exemple, les mecs sont passés des gros baggies aux petites jeans limite Balmain, tout le bordel et tout, tu vois. Et c'était une mode qui existait déjà, entre guillemets, dans les grandes villes européennes. Tu vois, de s'habiller un peu plus serré, par exemple, mettre des polos, des trucs, tu vois, tous ces trucs-là. Pas des acteurs du rap. Je suis d'accord avec toi, du rap français, mais parce que t'as déjà dû aller aux États-Unis. À part dans les clips, les gens savent pas saper. Ouais, désolé, tu vois, désolé de le dire, mais à part dans les clips, les gens savent pas saper, tu vois. Tandis que c'est vrai que nous en Europe, il y a quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, peut-être ce truc-là, ils ont kiffé justement. Tu vois, quand ils tournent à Paris, ils voient les gens bien habillés, bien truqués, tout ça. Peut-être c'est ça aussi, je me dis, qui a fait que. Qui a été influencé, tu vois. C'est possible. Ouais, bien sûr, ils se sont certainement influencés ou inspirés de. Après, les sources d'inspiration, tu les prends partout. Donc, ouais, carrément. Est-ce que tu trouves, bah tiens, par rapport à ça, mais donc pour toi, est-ce que tu trouves que A$AP Rocky s'est inspiré un peu de la culture sud-coréenne? Oula, c'est une question très très pointue. À quel niveau, dans quel sens? Parce qu'il a fait des clips à Tokyo, tout ça, ouais, des trucs comme beaucoup, ça beaucoup, ouais, il a et là, que, en fait, dans le format, c'est que là, j'ai l'impression qu'il est... même qu'il avait fait, un petit court-métrage avec Musical, voilà. Où il s'est grave. Et même, il a refait quelques clips après. Où justement, là, il change de. Tu vois, il s'inspire un peu de l'ambiance asiatique. Après, là, il était dans l'ambiance londonienne. Vraiment, tu vois, dans le truc avec Saïd et tout. Est-ce que, justement, tu penses que les Américains s'inspirent beaucoup finalement, tu vois? Ils sont ouverts plus sur le monde qu'avant, en fait. J'ai l'impression. Avant, ils étaient plus centrés sur eux-mêmes. Mais maintenant, j'ai l'impression. On dirait kiffe à être à l'étranger. Mais parce que l'Américain. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Parce que l'Américain, quand il regarde la télé, il voit pas autre chose que l'Amérique. J'ai l'impression qu'ils font comme PNL. J'ai l'impression, ils font voyager. Il y a certainement une ouverture d'esprit. D'ailleurs, c'est même marrant parce qu'au final, un truc qui m'a toujours frappé, c'est qu'au final, quand les Quinry viennent faire des clips à Paris. T'as l'impression que c'est un pari limite que tu connais pas. Tellement il y a un étalonnage, et tout, tellement c'est chambé. Ouais. Ils fument des monuments avec des trucs. Tu dis, damn, mais j'habite dans cette ville. C'est un truc de ouf. Hein. Mais parce qu'on vit à Paris, parce qu'on vit à Paris, on, on,
On cherche pas à découvrir Paris en fin de compte. Non, c'est vrai. On va pas dans les groupes, dans les petites ruelles de Paris, tu vois. Je sais pas. C'est quand tu vois New York, tu vois, tu vas essayer de voir le, tu vois, Manhattan, le vrai Manhattan. Tu vas aller à Harlem carrément, tu vois ce que je veux dire. Que les, pas, les carrés, même les Chinois, j'ai envie de dire. Ils vont direct voir c'est quoi Paris. Mais je pense c'est un peu ça. C'est, moi, ça me fait penser un peu à la, le mec qui a fait la marque Vicomte Arthur. Lui, il a vécu aux États-Unis. Et quand il a lancé ses polos, la nana lui disait, mais nous, ce qu'on aime par rapport au vieux continent, c'est l'histoire, qu'il y ait de la royauté, de ça. Et c'est un truc que l'Américain n'aura jamais. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de truc. Et, tu vois, ce qu'il aime, l'Américain, c'est toute la culture européenne, tu vois. Et c'est marrant que nous-mêmes, il n'y a pas eu cette grosse identité française, ouais, culturelle au niveau du rap français, pour être content d'être là, tu vois, tourner, je sais pas moi, à Bastille ou des délires. Le rap du chevalier. Non, je vais vous dire. Mano. Non, le rap du chevalier. Mais je te jure, demain, tu comprends ce que je veux dire. Demain, il y a un rappeur Kenry, comme tu dis, il va à Versailles. Il fait un clip à la Louis XIV. Tout le monde va dire que c'est une dinguerie. Or, si un rappeur français le fait, il va être peut-être moqué. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est. Je sais pas comment t'expliquer. Non, je suis cordial. Carrément. Ouais, et puis au final, peut-être que tout le monde va trouver ça chambé. On va se dire, putain, il aura fallu qu'un Kenry le fasse pour que. Ouais, comme t'as dit, de toute façon, dans tous les cas, on serait toujours à la bourre. Comme ça, c'est clair, frère. Non, non, mais après, quand je dis ça, c'est pas un constat alarmant. Moi, je reste optimiste. Ah oui, bah oui. Ça avance à notre rythme, mais on a toujours 10 ans de retard. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Mais bon, donc, Moi, je pense qu'on est bien. Tout va bien. Exactement, tout va bien. Tout va bien, voilà. Parce que si on parle de musique, aujourd'hui, les sons... Le rap français tourne en boîte facilement. Ouais, non, mais le rap. Il y a une grosse évolution, ça c'est. Ah non, moi je pense que tout va bien. On est bien. Voilà, soyons zen. Ouais, bien sûr. Et je dis ça, c'est pour mettre en lumière ceux qui sont en mode ouais, le rap c'était mieux avant, et nanani et compagnie. Voilà. Moi je fais pas partie des gens qui ont cet adage. Éteins ta radio et reste bloqué en 95. Mets ta chénifie, voilà. Le rap, musicalement, il s'est plus ouvert. C'est-à-dire, si toi t'aimes le rap. Parce que les gens ils aiment que le rap. Moi j'aime pas que le rap. J'ai kiffé plein de trucs. Et même un son de, je sais pas, moi je dis une connerie, même un Coldplay peut me faire kiffer. Tu vois, c'est de la bonne musique reste de la bonne musique. C'est-à-dire si t'es. Coldplay. Ouais, voilà, si. Hein, je kiffe Coldplay. Voilà, c'est-à-dire si t'as une ouverture. Tu vois, j'ai Jamiroquai. Moi j'ai kiffé devant Jamiroquai. Parce qu'il a son truc. C'est-à-dire la bonne musique, c'est de la bonne musique. Exactement. Mais c'est-à-dire que l'ouverture musicale qu'il y a aujourd'hui en France, elle est bénéfique. Mais aussi, elle a laissé aussi place à des trucs. Qui je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, mais je veux dire. Comment je veux dire, moi je suis pas un mec nostalgique. J'écoute tout. Il y a une ouverture, mais il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que les rappeurs de 2018 ne peuvent pas rapper comme les mecs en 1995. Il y a une évolution naturelle et il y a aussi une ouverture. Voilà. Je pense que ces deux paramètres. Ouais, mais du coup, l'auditeur aussi. Je te mens pas, il y a des jeunes gamins, tu leur as fait écouter les premiers albums de Rof, ils seront incapables de. Ou de Booba. Ils sont. Mais pourquoi ils sont incapables de. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu vois. T'as parlé d'évolution, d'ouverture à la pop, mais si on ceux qui aiment la musique, moi je suis un grand fan voilà, de musique américaine, les rappeurs Kenry samplent beaucoup. Ils ressemblent beaucoup, ils remettent au goût du jour les époques, tu vois les lire. Ça va être ils ont mode, ce truc-là, t'as l'impression à chaque fois. Ça va être comme la mode, ça va être un éternel recommencement. Et justement, et ça fonctionne, ils arrivent à se réinventer justement, ils rajoutent un nouveau truc, encore plus par-dessus. Ah ouais, Drake l'a fait récemment avec la meuf de Fujis, j'ai oublié son blase, la honte. Lorinil. Même DJ Khaled avec Rihanna, quand ils ont repris le morceau de Santana et tout, Maria Maria, ils le remettent au goût du jour. Mais tu vois, mais justement, j'avais un ancien qui m'avait dit, même lui, quand il écoutait les Fujis, c'était un sample d'un truc de jazz à l'époque. C'est-à-dire, en gros. Ouais, le sample, il a plusieurs vies en fait. Ouais, il le réutilise. Ouais. Comme les Isley Brothers, je sais pas si. La Juicy de Biggie, tous ces morceaux-là ont été resamplés finalement. Et je me dis, mais ils ont été réactualisés au goût du jour. Et en tout dans l'évolution, tu vois. Donc tu insinues que tu veux qu'on sample du Johnny, c'est ça? Hein, non, tu veux qu'on sample du Johnny? Non. Tu veux qu'on sample du Johnny? Ça peut arriver. Non, on pourquoi pas ressembler des classiques du rap. Écoute, le gars qui va le faire, il va peut-être tout niquer. Hein. Parce que Vantar est trop le rap Kenry. Non mais regarde. Trop le rap Kenry. Non mais moi j'adore le rap français aussi. Hein. Mais tiens, mais regarde dans le thème des samples. Je me souviens à l'époque, Sofiane. Parce que Sofiane, il faut savoir qu'il a beaucoup charbonné avant d'être connu. Il avait fait les délires avec Bouscapé, les Bouscas classiques. Il reprenait, il a même fait, il a fait beaucoup de classiques. Il a même fait Youssoupha, l'éternel recommencement. Je crois qu'il avait fait Kerry James de Zissou. Il faisait ça un petit peu, ses recaps un petit peu du... Vraiment, c'est bien regarder les Kerry, mais même en France,
t'as des Edith Piaf, t'as des vrais classiques. Tu reprends aujourd'hui, je te jure, tu touches toutes les générations. Bah, Stromae, c'est bien fait, tu vois. Moi, c'est ça, c'est Stromae qui a créé cette polémique. Moi, pour moi, Stromae, quand il est arrivé, il a prouvé que. On peut garder son identité. En fait, on peut s'inspirer du mode de fonctionnement américain, c'est-à-dire avoir des morceaux très bien masterisés, tu vois, être toujours dans la pointe, même dans les instrumentales et tout, tu vois, que ce soit très pro, parce que ce qu'il faut pas oublier, moi, c'est les Américains, c'est leur professionnalisme. C'est un truc de malade. Les mecs, ils sont trop loin, faut dire ce qu'il y a. Ils sont grave pro, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont 10 ans d'avance. Et c'est pour ça qu'il y a plein de rappeurs, des Rov, des Booba, ils vont masteriser leur album à Miami parce qu'ils ont ce style de savoir-faire que nous ne possédons pas encore. Et même dans l'audiovisuel, ils font appel à des monteurs américains. Mmh. J'espère qu'ils vont faire appel à Kobe bientôt. Kobe One. On arrive sur la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Banta? C'est très simple, ma vie, mon œuvre. Vous allez sur YouTube, vous tapez Vantard en moteur de recherche et vous verrez toute ma vie, mon œuvre. Ou sinon, Vantard Interview, si vous voulez voir les interviews. Je suis super prolifique, voilà, il y a beaucoup de vidéos. Voilà. Juste Vantard en moteur de recherche sur YouTube et voilà. Mais pourquoi Vantard? Alors, pourquoi Vantard? Quand j'étais petit, when I was a teenager, quand j'étais petit, je me vantais souvent. Je saute plus loin que toi. Ma gomme efface mieux que la tienne. Je sers plus de meufs que toi. Non, mais après, c'est un personnage. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie. Voilà, je peux dire que j'ai des potes à moi qui sont des 20 000 fois, 1 milliard de fois plus vantards que moi. Et donc, du coup, ça remonte à vraiment quand j'étais petit. Au départ, c'était mes amis qui m'appelaient comme ça. Ensuite, mes voisins. Ensuite, mes profs. Ensuite, et puis après, c'est resté. Voilà. Ah, d'accord. C'est mais vrai, ça remonte c'est à. C'est vraiment un blaze, quoi. C'est pas un blaze. J'allais dire, ah ouais, artiste quoi. Ouais, ouais, non, mais après, je rappe pas, ouais, non, c'est oui, mon. C'est mon AKA de artiste. Voilà, exactement, je suis un artiste. Et ouais, ouais, non, c'est mon AKA, mais ça remonte vraiment à la tendre enfance. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc on peut retrouver Vantard sur. Voilà, sur YouTube, vous tapez Vantard en moteur de recherche. Voilà. Et bientôt sur une émission, bientôt à la télé, non? Inch'Allah, si Dieu le veut, il n'y a que lui qui sait. Ah. Comme disait l'autre, c'est Dieu qui donne. Donc on étudie, je t'ai dit, toutes les propositions. Il se passera peut-être des trucs en 2018. Ok, bon, on espère. On espère te voir. Et force à toi. Force à voilà, toi. Ben écoute, t'inquiète pas, s'il se passe quelque chose, je viendrai le promotionner ici. Ah, ah ouais. On reviendra. Tu sais qu'on le coupe pas, ça. On reviendra. Appelle-nous pas demain pour dire on coupe. Non, mon gars. Vantard n'a qu'une parole, mon gars. Que des bails sérieux. Un homme d'honneur, on aime. Exactement. Il ne s'agit que de ça. Ok, bah vous étiez sur l'émission, on en parle. Bonne soirée à tous. Bra sur Kazaway, m'en aller. Gosse en bruit. 1, 3, 7, 8. J'ai besoin de partir et de m'en aller. Besoin bloqué par le grand arrêt. Tous mes ennemis se demandent si j'arrête la SIC. Moi je réussis pour m'en aller. J'ai besoin de partir et de m'en aller. Besoin bloqué par le grand arrêt. Tous mes ennemis se demandent si j'arrête la SIC. Moi je réussis pour m'en aller. Yeah, entre le jour et la nuit, poitif, hein, je ne fais que trouver l'ennui. Ah, ce qui me permet de rester en vie, faire la guerre, car la peau qui a t'y pété l'envie. Fuck, constamment face au STEM si voit le temps m'attaquer à tous ces petits MC. Tous dans la merde, j'ai visé la tête d'une SP. Je m'arrêterai le jour où je serai sans respire. Ah merde, le nouvel ordre nique sa mère. Le nouvel ordre nique sa mère. Sans être millionnaire ou bien milliardaire, prêt à foncer dans la mêlée armée, clic clac bang. Bebe bang, dégage les MC, je vais déballer les situations que je décris en prison. Vu comme un tarif fou égaré, c'est fait les foutre, me baiser, me comparer à ces PD qui font pareil. De me faire la tête au carré, tu que bang. C'est fait les foutre, me baiser, me comparer. J'en ai rien à foutre de tous ces nœuds, j'en suis pas là, je suis la monnaie, l'essor de ma vie, synonyme d'escalade à peine arrivé. Je vois ces buts parler sans ma comme balabala, dirigé par la maladresse. Rester ici au final m'a donné mal à la tête. H24 soumis à la logique de la tête, emprisonné dans ma sphère où j'ai plus cœur à la fête. C'est l'hôpital qui se fout.
de la charité. 1. Combien de mes frères sont dans la précarité. 2. Mon mamie, faut obligé de faire la qualité. 3. C'est la fin des tas, pas les couilles de combien de chien t'as. Je vais être loin de ma ville, ville. Des toxicos sur paraffine, fine. La musique est mon parapluie. Casse qui tombe du ciel, va pas du paradis. J'ai besoin de partir et de m'en aller. Besoin bloqué par le grand arrêt. Tous mes ennemis se demandent si j'arrête. La SIC, moi je réussis pour m'en aller. J'ai besoin de partir et de m'en aller. Besoin bloqué par le grand arrêt. Tous mes ennemis se demandent si j'arrête. La SIC, moi je réussis pour m'en aller.